Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offres qui est sorti, il va sortir, et je pense qu'on va en effet sérieusement réfléchir à ça aussi. Ça n'empêche pas qu'en parallèle on puisse réfléchir à une étude aussi en Europe et en Australie. Bien sûr. Merci en tout cas, professeur Loche. Merci. Résultat quand? Parce qu'on est tous très impatients de connaître tous les résultats de toutes les tests et toutes les expérimentations. Alors ça, évidemment, c'est une bonne question. Ça dépend un certain nombre de choses. D'abord, la vitesse avec laquelle on peut mettre en place l'étude, la vitesse avec laquelle on peut avoir suffisamment de personnes à inclure dans l'étude.